cette histoire de masque, je vais trouver un mot, mais c'est un masque de mensonge du gouvernement depuis le début, parce que la réalité, on nous a dit effectivement que ça servait à rien. Si Beth Ndiaye nous a répété sur tous les tons que ça servait à rien, ça servait à rien. En fait, la réalité, c'est qu'il n'y avait pas de masque à donner aux gens, il n'y avait pas de masque à donner aux soignants. On s'est retrouvé dans une situation du tiers-monde terriblement, et les masques, on peut parler des gels, on peut parler des blouses, on peut parler de respirateurs, on peut parler d'à peu près tout. Ce qui arrive en Espagne, on a raison, ce qui arrive en Espagne, ce qui arrive en France et en Italie, mais c'est quoi? C'est aujourd'hui l'impéritie de nos gouvernants depuis 30 ans à gérer à un moment donné. Là, c'est la casse du service public, c'est-à-dire qu'on ne peut plus faire face aujourd'hui, puisqu'on ne produit plus rien en France. Les masques aujourd'hui, il faut réinventer les productions. Donc on est obligé, vous imaginez qu'on est obligé de demander à la Chine des masques alors que l'Union européenne nous avait promis que la France seule contre la méchante Chine ne pourrait jamais rien. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on est obligé d'aller quémander à la Chine, se faire extorquer des masques sur les aéroports chinois, au cul des avions par des Américains qu'on ne peut pas récupérer. Mais on vit dans quel monde? On nous a pris pour des imbéciles. Et il aurait mieux fallu que les Français soient en droit de l'attendre et auraient pu entendre. Ils auraient dû nous dire la vérité dès le début. Il faut des masques. C'est absolument un scandale absolu, cette histoire des masques. Maintenant, on revient à l'arrière, on débraye, on tourne, on rétrograde et on essaie de nous faire croire que... Mais on se rend compte que finalement, c'est l'impéritie de nos politiques publiques qui ont cassé les hôpitaux publics et pas que ça, qui font qu'aujourd'hui, on se retrouve tout nu, pour pas dire autre chose, devant cette crise. Et c'est vrai en Espagne, c'est vrai dans tous les pays qui ont appliqué les mémorandums européens.